Pour faire la programmation de la course avec seulement un moteur battant connecté à la carte 7.1 Evo, on doit presser la touche dans le centre, ici. Après, on aura PRS. PRS, on relâche, c'est la programmation simplifiée. Et on va, avec la touche à côté, à chercher les paramètres de moteur 2, car on n'a pas moteur 2, donc on doit régler le temps de moteur 2 à 0. Donc on va chercher ici le code TCH2, c'est temps fermeture moteur 2. Touche centrale, il est déjà réglé à 0. Nous donnons la confirmation. Après, on va chercher TAP2, c'est le temps d'ouverture du moteur 2. On rentre avec la touche centrale, on peut voir qu'il est déjà mis à 0. On presse encore la touche centrale pour confirmation. Maintenant, on doit rejoindre le code fine, donc fin. On presse, touche centrale, on peut choisir si, donc oui pour confirmation. Après, on rentre encore dans le menu de programmation jusqu'à, on va voir, le paramètre APP. APP, c'est l'apprentissage. Touche à côté, mémorisation de temps de travail, touche centrale, et maintenant le moteur va démarrer. Le premier mouvement, c'est une fermeture totale jusqu'à la bouteille mécanique. Après, on aura une ouverture totale du ventail jusqu'à la bouteille mécanique en ouverture. Dernier mouvement sera la fermeture totale. Quand le portail sera fermé totalement, l'apprentissage est terminé.